le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh, yo, yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, vanité de vanité, tout est vanité. Le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Chérie, oui. Tu m'as promis hier nuit que tu passerais ici aujourd'hui avant d'aller au boulot. Bien évidemment. Au point de mettre que le petit prince a besoin de toi. Tu sais, il y a des moments où il faut punir un côté pour arranger l'autre. Et arranger les dégâts orchestrés après. Il est vraiment robuste. Ah oui. Comme son père. Est-ce que je suis robuste? Bientôt, tu seras comme ça, là. Comme Boloyon. Tu sais très bien que je n'ai jamais fait les arts. Mais tu es costaud. Ngombo, dis-moi, est-ce que tu trouves normal m'appeler à 22h uniquement pour me dire que tu veux entendre ma voix? J'ai eu tort. Ce n'est pas une question d'avoir tort, mais c'est une question de bonne moralité. Hein? Tu te comportes comme si tu voulais uniquement gêner quelqu'un. À 23h hier, tu m'appelles. Hey, monsieur Tzafak, j'ai comme impression que je vous ai perturbé dans un repos angélique auprès de votre bien-aimé. Il y a des moments où je me pose des questions si nous allons respecter les engagements que nous sommes assignés. Ngombok, tu sais très bien que je suis marié. Et... S'il te plaît, inutile de gaspiller son souffle. J'ai tout compris. Mais retiens aussi que la responsabilité n'est pas une publicité, mais une charge. Ma chère, appelle-moi quand c'est vraiment urgent. Ok? Je suis de tout cœur avec toi. Oh. Tout cœur. Rien ne devrait plus t'aigrir avec ce si beau bébé. Beau bébé. Il est vraiment beau. Ah, très beau. Chérie. Oui. J'ai fait les pommes. Et le petit prince et moi t'attendions impatiemment pour manger à table. Ne te fais pas de soucis pour moi. Je vais manger une autre fois. Hey. L'enfant voit tout. Il voit tout et entend tout par son âme. Il aimerait voir et sentir que ce qu'il mange, c'est ce que papa mange. Bon. Passez une agréable soirée. Ça. Il ne m'a jamais essayé. Jamais.
Agnès, bonjour. Bonjour, madame. Entre, je t'en prie. Merci. Assieds-toi, je t'en prie. Merci. Je te sers quelque chose à boire. Une bière. D'accord. Agnès, il n'est pas dans mes habitudes d'importuner les gens. Mais je me suis retrouvée dans l'obligation de te faire venir ici. Il y a certaines informations que tu dois me fournir. Maître, je suis à ta disposition. Merci pour ta disponibilité. J'espère que tu ne fais pas partie de ceux-là qui organisent un comité pour me boycotter. Maître, je n'ai jamais eu une intention maléfique. Tout au contraire. J'ai discuté avec Loris et je lui ai présenté mon désir de démissionner. Démissionner? Pourquoi voudrais-tu démissionner d'une association sociale? Donc la société a besoin. Je démissionne parce que vous semblez transformer cette association en un parti politique. Non, ce n'est pas un parti politique. Tu sembles avoir une mauvaise approche de la chose. Avec le temps, je verrai si mes observations sont erronées. J'ai suivi ce que chacune de vous avait en tête lorsqu'elle posait son acte au Dieu. Sachant qu'il n'y a jamais de fait sans cause, j'ose croire que personne ne me reprocherait de rien. J'ai essayé de demander pardon, mais hélas. Oui, je l'ai dit depuis l'autre jour. Je me reconnais fautive et je suis prête à assumer toutes les conséquences de mes actes. Ce que je cherche, ce n'est pas un arrangement, mais la gestion de l'après-divorce. Parce que personne de vous ne franchira plus le seuil de cette maison, dès demain. Vous irez avec les enfants et je vais approvisionner le compte de chaque enfant via sa mère. C'est terminé. Vous passerez pour la grosse du jugement. Tu m'as bien fait rire. Ah bon? Mais sérieusement, penses-tu que j'allais continuer à supporter ces deux criminels? Oh oh. Sous le prétexte que ce sont mes épouses? Mon très cher, je pense que nous devons les amener chez Nanga pour la rééducation. Non, 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 ce n'est pas la peine. Leur cerveau est grillé. Leur tête est pleine de virus. Donc, tu voudrais qu'on leur trouve un antivirus, alors? J'en ai marre de ce qu'elles sont, de ce qu'elles font et de ce qu'elles ont. Tarées ou pas, c'est leur problème. Manga, mon ami, je ne mourrai pas célibataire. Affirmatif. Je suis sûr que quelque part, il y a une femme compréhensive, posée et bien jolie qui m'attend. Et d'ici peu, elle sera à mes côtés. Mon cher Mathias, qu'est-ce que je pourrais encore te dire? C'est notre seul souhait. À la tienne, mon frère. Le ciel et la terre, et dit aimez-vous les uns les autres,
L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre. Allô? Oui, allô, je t'écoute. C'est Ngombo. Mon téléphone a des problèmes, j'ai dû emprunter celui de ma tante. D'accord, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es ni passé, ni m'appeler. Vraiment, j'aurais dû le faire. Mais le travail était stressant aujourd'hui. Sinon, comment vous allez? Pas du tout bien. Où te trouves-tu présentement? À la maison, bien sûr. Il faut que tu viennes me voir de toute urgence. Je peux avoir un sommet de la situation? Je n'ai pas assez d'unité. En plus, le téléphone n'est pas mien. D'accord, j'arrive tout de suite. Cousine Mirabelle, toutes ces larmes que tu verses maintenant sont en vain. Personnellement, j'ai constaté depuis un temps que tu as changé. Oui, que tu as mis les mains dans la magie noire. Est-ce que je savais que ce qui allait arriver devait être négatif? Je suis venu vers toi plus d'une fois pour te donner sagesse, mais tu m'as repoussé. Il n'y a que ton mari qui a discuté avec moi à propos. Je suis désolée, mon cousin. Je suis désolée. Avec le temps, on verra quoi faire. Peux-tu me rendre un service? En faisant quoi? Est-ce que tu peux m'accompagner chez ce charlatan? Mirabelle, je pense pour ma part qu'il ne sait rien, car il est déjà trop tard. Aïe! Mirabelle, il faut te calmer. Mais si je trouve que couler les larmes comme tu le fais, c'est la solution pour toi, tant mieux. Monsieur était un imposteur qui se prenait pour un prêtre traditionnel. Si je pouvais le rencontrer, je lui créerais des sérieux problèmes. Bonjour, madame. Bonjour, jeune homme. Vous cherchez quelqu'un? Oui, le monsieur qui habitait ici, là, le marabout Mundian. Vous le connaissez? Ce monsieur se fait arrêter par la police. Ah bon? Oui, madame. Êtes-vous un membre de sa famille? Non, un gars du quartier. Bonne journée, madame. Au revoir. C'est une soirée assez agréable. Tu n'as pas tort, Henriette. Ce sont des moments très rares. Vous savez, c'est qu'on aime des gens quand on leur offre des moments très rares comme ceci. Henriette, Simone, je vous aime. Moi aussi. Si seulement ce que nous sommes en train de vivre ces derniers temps pouvait être maintenu. La paix régnera aussi longtemps que possible. Et c'est possible. Pourvu que Alex soit un homme séditieux. Un homme ambitieux serait mieux. Allez.
Mirabel, je ne savais pas que toi aussi tu étais une grosse voleuse. Ma chérie, je n'ai pas volé. J'ai juste pris ma part de bien pour garantir le suivi de ma fille. Car je savais au fond de moi que si Mathias mourait, ta famille, riche et nombreuse, allait prendre les biens. Et la belle famille devait s'accaparer du reste. Et ton fameux plan a plutôt mis du feu. Quand on voit même, c'est toi qui pousse Mathias de nous chasser de la maison. Qu'est-ce que tu allais chercher chez les marabouts? La même chose que toi, ma chère coépouse. Chérie, j'ai pitié de toi quand je te regarde sortir et rentrer. Tu n'es jamais tranquille. Toujours en conflit avec Nadège, ta mère et Ngombok. C'est vraiment tragique. J'espère qu'il y aura une bonne fin et non une fin dramatique. Non, tout sauf une fin dramatique. Tu sais que Dieu est au contrôle, chérie. Deux fois, je compare ton combat à celui de la pierre de Sisyphe. À chaque fois, quand elle arrive au sommet, elle roule encore vers le bas. Et Sisyphe est dans l'obligation de tout recommencer. Nous y parviendrons, bébé. Nous sommes déjà en route vers Golgotha. Beaucoup de courage, mon amour. Merci, trésor. Tu devrais prendre un avocat. J'y ai pensé, mais j'ai trouvé que c'était inutile. Le fait était déjà là. Même l'avocat ne pouvait pas faire grand-chose. Au moins le dédommagement. Pour le dédommagement, je connais Mathias. Il ne peut pas nous laisser partir les mains vides. Il va faire quelque chose pour nous. Si tu as confiance en lui, c'est une bonne chose. Ah oui. Tout ce que j'espère, c'est une réconciliation surprise. Avec Mathias? Oui. Avec mon chéri. L'homme que j'ai aimé et toujours désiré. Jusqu'au jour où j'ai rencontré ce charlatan. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Sop. Tout ce que j'ai entrepris avec cet idiot n'a été qu'un échec. Natacha, si nous continuons ainsi, nous franchirons le cap de bonne espérance. Figure-toi que nous sommes sortis tous les trois, y compris mon mari. Et la soirée était juteuse. J'étais content de savoir que la maladie t'a épargné. Et félicitations. Merci beaucoup. Une fois de plus, tu m'as déçu. Comment peux-tu entreprendre une procédure de divorce sans toutefois notifier la famille? Les deux femmes étaient chargées en ce qui les concerne d'informer les différents membres de leur famille respective. J'ai été étonné de ne voir aucun membre de celle-ci. Ni à l'audience, ni même ici chez moi. Jusque-là, Mathias, tu devrais au moins me joindre au téléphone. Vraiment, il faut le reconnaître, tu agis en primitif. Et surtout, ce que je voudrais que tu retiennes, je ne voudrais pas voir ma soeur dans la rue. S'il y a quelque chose d'adopter un ton assez conciliant, ben, peut-être que j'en tiendrai compte. Sois sage.
aimez-vous les uns les autres? L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pour pas la guerre des biens. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh, yo, yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, vanité de vanité, tout est vanité. Le ciel et la terre, et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pour pas la guerre des biens. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh, yo, yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité.